Merci Alberto. Merci beaucoup, Président. Cher Alberto, je vais peut-être maintenant donner la parole au Président Mauro Mbalo Sissoko, qui non seulement préside son pays, la Guinée-Bissau, mais a aussi une responsabilité régionale à la tête de la CEDEAO et qui justement a coordonné les positions d'une région qui vit les mêmes inégalités que celles qui ont été évoquées, connaît la grande pauvreté, est touchée par le terrorisme, par aussi les ingérences, les influences informationnelles, on l'a bien vu, de la Russie, et donc des positions qui ont été parfois complexes. Mais sur tous ces sujets et cet universalisme en temps de guerre ou à double standard, quelle est ta position ? Muchas gracias, presidente José Macron, Emmanuel Macron. Yo pienso que es muy importante que nosotros todos reflexionemos cómo acabar con la guerra, hambre y epidemia. Je disais, monsieur le président, que je. Hay cosas que nos tocan bastante. Pense qu'il faut que nous réfléchissions sur comment. Finir sur cette guerre. On parle beaucoup à la télévision, dans la presse écrite, de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais dans nos régions, il y a aussi des guerres. Le Mali, le Burkina Faso, et il y a des morts tous les jours en Amérique du Sud aussi. En Colombie, par exemple, tous les gens qui émigrent vers les États-Unis et qui meurent sur la route. Mais pour la communauté internationale, la seule chose qui est sur l'agenda, c'est le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Quelque chose qui pourrait être terminé très rapidement s'il y avait un dialogue. Si vous regardez ce qui nous est arrivé, nous, dans notre région, c'est que nous disons toujours, c'est l'Occident qui décide pour nous, sur nos territoires, comme cela a été le cas pour la Libye. L'Afrique, notre continent, quand il y a notre voix à entendre, personne ne l'entend, comme pour le cas de Kadhafi, par exemple. Alors, je demande, est-ce que nos frères de la Libye, de l'Afghanistan, de la Somalie sont heureux aujourd'hui ? Et non ! Mais nous avons une solution. Et si pour arriver à cette solution, il faut un dialogue entre le Nord et le Sud. Même si nous sommes pauvres, nous avons une dignité aussi. Et ça, c'est très important. J'ai été il y a 15 jours avec le président Poutine dans son bureau. On a parlé presque 3 heures. Parler beaucoup. Si hay un dialogue sérieux, et moi, j'ai eu l'impression que s'il y avait un dialogue sérieux, la guerre pourrait finir très, très vite. Et évidemment, lui, il a une grosse responsabilité là-dedans. Et quand il m'accompagnait, quand je partais, il m'a dit donner une grande accolade de ma part à mon frère Macron. Oui, oui, c'est Poutine qui m'a dit ça, hein. Et il me l'a même dit en anglais. A big hug to my brother Macron. Yeah. Voilà, voilà, il me l'a dit comme ça. Pero yo llegué. Yo llegué también. Muchas gracias. Yo llegué. Mais moi, à Kiev. Quand je suis allé à Kiev. De la boda, frontera de. Qui se trouve à 12 heures de la frontière. Et quand je vais pour l'Ukraine, je dis à Poutine, quand à comer, et quand j'allais vers l'Ukraine, et tu commences ainsi comme Macron, je dis si, je comme aussi comme Macron, si, Poutine m'avait parlé de déjeuner et m'avait dit si j'allais déjeuner avec Macron, et je dis oui, je dis le problème, c'est pas que je déjeune avec Macron, le problème, c'est que je veux faire entendre la voix de l'Afrique, la voix de la paix, parce que la paix ne peut pas être seulement d'un seul continent, il faut entendre la voix des autres pays aussi, une voix internationale. Donc, je disais que quand j'allais vers Kiev, j'ai vu la destruction qui avait été causée par la guerre. Et je parlais avec le président Zelensky et je dis à Zelensky,
Écoute, il faut que tu parles avec Poutine. Poutine est sérieux, je lui dis que paraissait très sérieux. Parce que je lui ai dit que j'ai l'impression que Poutine était sérieux. Et que mon message était qu'il fallait qu'il parle avec Poutine. Et que son frère Macron pouvait vraiment jouer un rôle aussi. Parce que Poutine m'a dit un grand bonjour pour mon ami Macron. Et il me l'a répété plus d'une fois. Alors je pense que Macron a un rôle à jouer. Pour sortir de cette guerre. En toute la partie de l'Ukraine. Mais cette guerre, non se sentía la guerre est quelque chose qui touche toute l'Ukraine. Par contre, quand j'étais à Moscou, j'ai eu l'impression que personne n'était touché par la guerre. C'est pour ça que je crois, Monsieur le Président, c'est que quand tu parles avec tes amis européens, avec tes amis américains, c'est important que tu le fasses. À l'Assemblée générale. Mais gente para votar. Quand on parle et devant l'Assemblée générale des Nations Unies, il faut parler sur faire entendre sa voix, que tous puissent faire entendre leur para voix. No es fácil que solamente alguien me llama, c'est évident mira, que pour moi, ce n'est pas facile pour, quand on m'appelle et qu'on me dit « Écoute, il faut que tu te prononces y comme nous. » Mais ben non, ça ne marche plus comme ça. L'ordre mondial a changé. Les pays BRICS maintenant, compte. Il y a des pays comme l'Arabie Saoudite, l'Algérie, le Venezuela qui vont s'associer aux BRICS. Et peut-être que la Guinée-Bissau y sera aussi si nous avons du gaz ou du pétrole à l'avenir. Mais la plus importante, c'est qu'il y ait un respect entre nous. Et moi, j'aime beaucoup Macron parce que nous nous parlons comme deux chefs d'État. Et il me dit, nous parlons... Non, me ves como presidente de Francia. Comme un hermano et comme un égal. Que tu eres. Je suis un frère et toi tu es un chef d'État. Je te parle comme un frère. No es porque hay un desarrollo antifrancés. Mais il ne s'agit pas qu'il y ait un sentiment anti-français dans l'Afrique de l'Ouest. Non, c'est pas du tout ça la situation. Para que nosotros tenemos este problema. Mais le problème de la Libye a causé des conséquences graves pour le Mali, le Burkina, le Niger. Kadhafi était un mal nécessaire pour son peuple et Saddam Hussein était aussi un mal nécessaire pour son peuple. Le peuple vivait bien sous leur régime. Et aujourd'hui, je me demande est-ce qu'ils sont heureux sans Saddam, sans Kadhafi, même si c'était des personnes néfastes. Mais il y avait la paix. Et maintenant, la paix, comment on va l'acheter? Même si le monde n'est pas juste, Monsieur le Président, qu'il ne faut pas oublier de parler, par exemple, de la COVID. Depuis qu'il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie, le COVID a disparu. Personne n'en parle, même si la maladie continue d'exister. Et même s'il y a d'autres pays qui en souffrent. C'est pourquoi je pense qu'il faut que nous réfléchissions tous ensemble. Parce que pour garantir la sécurité de l'Europe, la sécurité de l'Europe, c'est la Russie. On ne peut pas se passer de la Russie. La Russie est importante pour la sécurité de l'Europe. Et c'est pour ça que Poutine m'a dit que Macron était important pour finir la guerre. Et il faut parler à Zelensky de ça. C'est très facile. Et je le dis parce que c'est la sensation que j'ai eue quand Poutine m'a parlé de toi. Il m'a parlé de toi trois fois. Il m'a dit à la fin, en une grande accolade à mon ami Macron, qui a une responsabilité, la responsabilité de finir avec cette guerre et de penser aussi à d'autres pays comme par exemple ceux de l'Amérique latine. Parce que dès qu'il y a un problème dans un continent, il faut parler avec les gens du continent parce que cela aiderait énormément. Et on a des exemples de la FAO, le fameux logo de la FAO, Fiat Panis. Et je pense que l'Afrique contribue aussi au Fiat Panis. Bueno,
tomar más tiempo aquí. Bien, je vais m'arrêter parce que il faut laisser la parole aussi aux autres et il faut surtout écouter un représentant du PAM parce que c'est celui de Fiat Panis. Et il faut voir comment nous pouvons faire pour arrêter cette guerre, pour sortir le monde de cette guerre. Merci beaucoup.